La Banque publique d'investissement sur les rails en Midi-Pyrénées, avant même la publication des textes officiels, son comité régional d'orientation a été installé hier. Les 25 membres de ce comité seront chargés d'assurer la cohérence des orientations de la Banque. À sa tête, Martin Malvy. Le conseil d'orientation est présidé par le président de région. Ce n'est pas lui qui décidera de l'attribution des prêts, ce n'est pas le comité d'engagement de la BPI, c'est le comité d'orientation. Il faut qu'elle soit installée le plus rapidement possible et qu'elle puisse intervenir avec le plus grand dynamisme possible. La BPI va notamment s'intéresser à l'innovation, aux PME, aux entreprises intermédiaires, c'est-à-dire celles qui ont au-delà des 250 salariés, à ce qu'on appelle le haut de bilan, le bas de bilan. Cette nouvelle banque regroupera plusieurs acteurs existants comme Oseou ou encore le Fonds stratégique d'investissement. Des structures régionales telles l'IRDINOV et Midi-Pyrénées Croissance viendront s'ajouter au dispositif. La structure n'a pas d'enveloppe régionale dédiée. Elle sera dotée sur le plan national de plus de 40 milliards d'euros. De l'entreprise artisanale à la grande entreprise, le spectre est extrêmement large avec une palette d'outils à disposition assez importante selon les finalités, puisque de la création à la transmission, passant par toutes les étapes de développement, d'investissement, d'innovation, d'international, les entreprises auront des outils à BPI France. Soutenir la croissance, l'emploi et la compétitivité, telles seront quelques-unes des missions de cette nouvelle banque qui devrait attirer de nombreuses entreprises puisque le montant des taux d'intérêt sera plus bas et la durée des prêts aménagée.